En avant, hop! Aux campagnes napoléoniennes, et il s'est fait rapidement remarquer en prenant lui seul un canon. Il a intégré ensuite, il a été décoré de la Légion d'honneur et a intégré la garde impériale, où il a participé à quasiment toutes les campagnes jusqu'à la fin de l'Empire, en étant sur quasiment tous les points chauds et sans jamais être blessé. Il est allé de l'Espagne à Moscou à pied et est revenu vivre à Auxerre ou dans son auberge, place Sainte-Zède, c'est ça ? Non. Vive le capitaine Poignet! Vive le capitaine!